Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? C'est parti, la boutique à l'essai ouvre ses portes pour 6 mois, au moins. 6 mois de bail commercial renouvelable une fois, un loyer modéré pour tester son commerce avant de se lancer. L'opération, initiée en avril dernier par la ville de Cherbourg, avait été confiée à la toute nouvelle manageuse de centre-ville. Objectif, redynamiser le cœur de ville et faire la chasse aux rideaux baissés. Il y a des locaux, des fois, alors ils sont soit inadaptés par leur structure même, le fait qu'ils soient un peu vieillissants, le fait qu'il faut faire une enveloppe de travaux importante. Donc quand vous avez un budget minime au départ, ben, ce n'est pas possible. Et puis des fois, il faut savoir aussi adapter son loyer pour pérenniser l'activité qui est à l'intérieur. Ici, ce n'est pas un, mais 4 entrepreneurs qui ont sauté le pas. Marie-Christine crée toutes sortes de cartes sur mesure. Virginie, des bijoux en cuivre émaillé. Bono propose des cosmétiques bio fait maison. Et Aline, toute une gamme d'épiceries dans des bocaux consignés. C'est l'avenir, de pouvoir casser tous les frais fixes pour pouvoir enfin avoir une boutique entre nous. Aucune de nous quatre n'aurait pu l'avoir, cette boutique-là, toute seule. Donc, c'est vraiment l'union fait la force. Ensemble, pour finaliser l'achalandage, chacune tiendra ensuite boutique un jour ou deux par semaine seulement, afin que toutes puissent continuer de créer. Moi, je suis dans le Calvados, mais en fait, Cherbourg, c'est là que j'ai bien travaillé tout de suite. C'est vrai, j'ai vraiment été super bien accueillie et j'ai trouvé vraiment du potentiel pour travailler. Mais à chaque fois, on me demandait où. Bah, je disais, bah oui, mais où, c'est sur les marchés, quoi. Et donc là, quand on me dit où, maintenant, je peux répondre à Cherbourg, rue Aublet, à la multiboutique. Une nouvelle adresse prometteuse, un concept novateur qui nous font dire que quand on n'a plus de pétrole, on a toujours des idées.